La cour avec bananier de Liao Ji-chun, peint en 1928, reproduit l'ambiance de détente et d'oisiveté dans la cour de chez lui à Tainan. On peut reconnaître sa femme à gauche du tableau, juste derrière un bananier. Ce bananier, avec son feuillage luxuriant, s'impose comme le principal sujet de la toile. Mais plus fascinant encore est l'effet produit par la lumière du soleil, qui traverse les feuilles pour se projeter sur le sol, créant en même temps des ombres. S'il s'agit d'une technique de contrepoint, nous allons voir son évolution ultérieure vers une plus grande variation de couleurs et de formes. Ceci est lié à son orientation postérieure. Voici une œuvre datant de 1931, aussi retenue pour l'exposition impériale du Japon. Elle a subi une restauration. Il faudrait un peu d'imagination pour bien saisir son aspect d'origine. Cette toile dispose d'une plus grande profondeur. Cette scène avec les cocotiers reproduit en fait le paysage devant la gare de Kaohsiung donnant sur la montagne de Shaoshan. Si vous ne connaissez pas le Kaohsiung de l'époque, vous aurez du mal à reconnaître le paysage, car il ne s'agit pas de la gare d'aujourd'hui, mais de l'ancienne, près de la station de métro. Devant la gare, on perçoit une jolie fontaine moderne, ainsi que trois grands cocotiers. Notons que vers la fin des années 1920, les œuvres visant l'exposition impériale des Beaux-Arts se devaient de montrer les images les plus représentatives de Taïwan, par exemple les plantes tropicales comme le cocotier et le bananier. Ces objets devaient être mis en valeur, de même que le sol ocre reflétant la lumière du soleil. Ces éléments, on les retrouve aussi dans les tableaux représentant des rues de Tiayi, réalisé par Chen Chengpo, un ami de Liao Ji-chun. Quant à sa peinture ultérieure intitulée « Repos nocturne dans le bois », réalisée après son séjour en Occident en 1962, on y constate une nouvelle inspiration par l'art abstrait. Dans cette œuvre, on ne voit quasiment que les pigments en taches, en morceaux ou en lignes. Ces couleurs de diverses formes se marient comme les notes d'une symphonie et produisent une composition splendide. Regardons maintenant cette peinture datant de 1975 intitulée « Tolède en Espagne ». Elle a l'air assez plate, sans profondeur. C'est aussi une composition semi-abstraite. Les couleurs employées sont très variées et claires, voire éclatantes. Une telle œuvre peut susciter un certain sentiment de joie au spectateur. En réalité, ce style reflète son état d'âme, sa décontraction des dernières années de sa carrière. Dans son esprit, la forme n'a plus d'importance, qu'elle soit abstraite ou concrète, tant qu'elle permet d'exprimer l'aspect spirituel de l'artiste. Parmi les techniques employées dans cette œuvre, nous observons par exemple l'induction, l'étalement, tantôt au pinceau, tantôt avec les doigts, voire avec le dos du pinceau. Il s'agit donc d'une réalisation avec une très grande liberté. Cette peinture harmonieuse est une œuvre représentative de la dernière période de sa carrière.